Camille Combal est-elle invitée de Jules Lavie dans le podcast Code Source du Parisien? Le présentateur s'est confié à propos de ses débuts à la radio et à la télévision, de sa famille, mais également à propos de la naissance de son premier enfant l'année dernière. Camille Combal est un papa comblé. Le présentateur de Danse avec les Stars et de Mask Singer et sa femme, la journaliste Marie-Thérèse Stéphanie, sont devenus parents l'année dernière d'un petit garçon dont ils n'ont pas encore révélé le prénom. Depuis l'heureux événement, le jeune papa est sur un petit nuage, même s'il a confié sur le plateau de Quotidien en janvier dernier que sa nouvelle vie se passe avec peu de sommeil. Il a également affirmé que l'arrivée de son premier enfant avait nécessité beaucoup d'organisation, beaucoup de reproches, mais que ça rééquilibre un peu tout. Je suis à fond, Camille Combal se donne toujours au maximum pour son fils. Camille Combal évoque rarement son fils, mais il a accepté de revenir sur sa paternité dans le 1000e épisode événement du podcast Code Source du Parisien au micro du journaliste Jules Lavie. Il a alors révélé comment il a vécu l'arrivée de son premier enfant l'année dernière. C'est fou. C'est génial. Je suis à fond. Chaque jour qui passe est encore un peu plus beau, je trouve, a-t-il confié avec joie. Cependant, l'animateur n'a pas caché avoir une attente bien précise à propos de son fils. Celle de son amour du football et de son équipe du cœur, l'Olympique de Marseille. Franchement, il fera tout ce qu'il veut, tant qu'il est supporté de l'OM. Moi, c'est tout ce que je veux. Il n'y a pas de « on supporte le Paris Saint-Germain » ou je ne sais pas quoi. Pour le reste, franchement, il fait tout ce qu'il veut, a-t-il continué en riant mais avec également beaucoup de sérieux. Je ne veux pas de ça moi, le présentateur ne forcera pas son fils à faire des activités qui ne lui plaisent pas. Camille Combal a ensuite expliqué qu'il voulait surtout soutenir son fils dans ses futures passions, sans jamais toutefois l'obliger à faire quoi que ce soit. Moi, ce que je veux, c'est essayer de faire en sorte que s'il veut jouer au foot, qu'il puisse jouer au foot. S'il veut jouer au rugby, qu'il puisse jouer au rugby. S'il veut jouer au tennis. Après, je vais essayer qu'il joue au tennis pour que moi peut-être un jour, je puisse faire un match avec lui, a-t-il expliqué. Avant de conclure, mais si ça ne lui plaît pas, je ne vais pas le pousser. Je faisais du ski en compétition, on m'a poussé de dingue, et c'est dur. Je ne veux pas de ça moi. Il va être tranquille. À lire aussi, il a une folie douce, ce comportement de Gilles Boulot qui a scotché Camille Combal.